Je me mets en PLS, je suis prêt. Je vais tout garder. Mais j'ai un gros deck, hein, What? Qu'est-ce qui vient de se passer? K'toon le brisé. Oh, le retour de K'toon, je sais pas. Début de partie. Éclate en morceaux, cri de guerre, inflige 30 points de dégâts répartis de façon aléatoire entre tous les adversaires. Pardon, plaît-il? Je vais me faire défoncer le cul, là, en fait. Je suis dans la merde. C'est quoi sa quête? Lancer 10 sorts par... Je vais me faire... Bolos. Alors là, est-ce que j'ai vraiment un moyen de counter tout ça? Je sais pas. Ça va être chaud. Hein. Là, il va me clean ça. J'hésite à le tuer et prendre le risque de pas me soigner. Vas-y. Il y a moyen de le counter. Avec Galakrond, il y a des combos, il y a des mécaniques, tu vois. Mais ça va être chaud quand même. Oh, deux dragons. Avoir les deux cartes comme ça, c'est ultra fort. Parce que tu prends un gros dragon. Donc... Là en l'occurrence, le Drake du Crépuscule. Et là je vais prendre... Ça, ça peut être très fort. Si je joue K'toon ou des trucs comme ça et qu'il m'a pas tué, moi derrière je peux peut-être assurer de le tuer. Et ça fait popper cette carte à 2. Et j'ai une 4-8 sur le terrain au tour 4. Ok. Moi ça me va. Là il a gaspillé tellement de sorts. D'ailleurs je pose un truc pour conjurer Galakrond. Oh, c'est tellement fort. Clairement, une des cartes qui peut me faire gagner la partie, en fait. C'était quoi, ça? Morceau de K'toon. Oh, ok, j'ai compris. Il faut qu'il joue les 4 morceaux de K'toon pour avoir K'toon. Donc, ce qui fait que si je joue cette carte et que dans sa main, il a une autre carte morceau de K'toon et que moi, je la joue, il est mort. Ok, va falloir être très stratégique. Ça va être très compliqué. Je vais invoquer Galakrond. Je peux gagner. La strat, elle va être chaude à mettre en place. Ok, ça, c'est bien. Mais il est intéressant, son deck. Putain, j'aimerais trop l'avoir. Il doit être super à jouer. Ok. Pas mal. Je vais jouer ça pour faire de la présence. Parce qu'en vrai, ça me sert à rien. Donc là, il en a 2 sur 4. C'était quoi sa carte? Inflige 7 points de dégâts répartis de façon aléatoire entre tous les adversaires. Si moi je le fais, il tombe à 11. Mais on va pas le faire maintenant. Ah, quoique, attends. Il tombe à 11. Il va être obligé de jouer un gros sort. En vrai, je vais jouer la pièce. Je vais jouer ça. Parfait. Exactement ce qu'il me fallait. Il va être obligé de gérer la carte. Parce que s'il la gère pas, il sait très bien qu'il est pratiquement mort. C'est gratuit, ça. Ah non, il a juste chaté. Il a chaté, le gars. Il a pioché les 4 d'affilée. Donc, il a K'toon. Hein. Il a trop chaté sur son drop. Là, il faut que je pose des créatures parce qu'elle fait beaucoup de dégâts. Donc, il faut que je pose... Plein de petits trucs qui font que je peux être bien. Il faut que je remonte à 30 aussi surtout. Donc ça c'est important. Je vais taper là. Je vais conjurer Galakrond. Je vais jouer ça. Là même s'il l'a et qu'il le pose, je survis. Donc c'est déjà ça. Et d'ailleurs je peux le tuer. Le tout c'est d'avoir plus de 30 HP au total sur le board pour pas qu'il puisse me tuer. Donc là il l'a pas. Ok, il a 3 secrets. Hein. 4 secrets. Il commence à me gaver déjà. Je peux taper la 3-5 avec la 2-3. Et taper ça là avec elle. Une fois que votre adversaire lance un sort, invoque un serviteur aléatoire coûtant 3 cristaux ou alors le bouclier divin. En vrai, autant prendre celui-là, c'est plus smart. Donc là, il a joué la carte. Si je joue un sort, ils vont invoquer, on le sait parce qu'on l'a vu, invoquer un serviteur aléatoire à 4 cristaux. Ce qui en soi est pas plus mal parce que si je joue ça, je peux mettre ça derrière. Donc en vrai, c'est smart. Et j'ai du clean. Donc en vrai... Putain, il me casse les couilles! C'est trop fort son truc! Arrête! Tu m'énerves, tu me tends! J'ai envie de te mettre des patates dans la vraie vie! Ah, mais il me casse les couilles! Et je balance des secrets comme de la purée au supermarché! Ok, on va taper lui. Ah! Bah, yes! Tout mon bord est mort. J'aurais dû taper avec la 3, ça aurait fait 2 dégâts en plus quoi. Il est chiant. Il m'énerve. La vidéo, mais il me casse les couilles. Allez, barrière de glace, c'était sûr. Fallait qu'il ait à un moment donné. Infuse 3 points de dégâts, contre-sort. Allez, le voilà. On va vraiment pas y arriver. C'est très chiant. Il m'énerve. Miroir des âmes dans ta main. Ah, en gros, ça copie les cartes adverses et ça les attaque par défaut. C'est pour ça que je la garde, parce que s'il pose K'toon, je peux jouer la carte et ça tape K'toon dans K'toon et K'toon meurt. Ça, là, il faut que je la dégage. J'ai pas de quoi la dégager. Ça pue. Aïe 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 aï
Oh. Oui? Non? Aïe aïe aïe. Fils de pute! Faut que je me concentre. Je peux pas la laisser. Je peux pas laisser celle-là. Celle-là ou celle-là? Celle-là? J'ai sacrifié un truc sans faire exprès, j'ai pas regardé. Là il va taper dans Maligos. Ah il veut gérer Maligos autrement. Okay. En vrai il me rend fou, vraiment il me rend fou le gars. Je vais le forcer à utiliser beaucoup de sorts sur une carte quoi parce que... Oh il me casse les couilles. Hein. Il a fait quoi? En gros il a transformé ses cartes. Alors attends. Ah il l'a. Il l'a. Il l'a. Oh c'est encore pire! Oh là là là, c'est compliqué. Et j'essaie de remonter en fait. Ah, il me casse. Il est chiant. Il est trop chiant. Vraiment, il est trop trop chiant. Je sais pas si je vais gagner. Le problème, c'est que s'il a tout, j'ai perdu. Allez, c'est parti. Oh oh oh, je meurs. Je me décompose. Je me décompose en live. Maman, je fais des cauchemars. Maman, je meurs. Maman, appelle la police. À l'aide, j'ai mal. Aïe, mon sauveur. C'est maintenant, c'est maintenant. S'il a Galakrond sur ses... Il a une chance sur quatre, s'il a Galakrond... Attends, je me mets en PLS, je suis prêt. Oh le fils de pute. J'en peux plus. Ah ah. Oh waouh. Ah elle était incroyable cette game. Et je crois qu'elle va partir en VOD sur YouTube ça là, elle est incroyable. Ah oh, cette game était exceptionnelle. Mais je veux son deck. Je veux son deck par contre, il est incroyable. Ah oh, je m'en remets pas. C'est la défaite qui m'aurait fait le moins de mal au monde. Elle est incroyable cette game. C'est plus du viol, c'est indécent, passer ce stream en plus 18. C'est ce qu'il aurait fallu faire. Franchement, incroyable. C'est une vidéo à elle toute seule. J'ai une vidéo YouTube, allez hop. C'est gratuit, c'est moi qui paye.